Depuis l'ouverture du service Covid, il y a eu trois services qui se sont ouverts. Et moi, je viens d'un service d'hôpital de semaine cardiovasculaire et je suis arrivée ici sur la base du volontariat. Donc, il a fallu apprendre à se connaître, à apprendre à travailler ensemble, mais ce qui est aussi très enrichissant. On apprend beaucoup de choses des expériences de chacun. Alors, les missions générales de l'infirmière, c'est déjà d'accueillir le patient, d'assurer sa prise en charge globale derrière. On assure aussi toutes les commandes pharmacie, le réapprovisionnement, d'être à l'écoute, d'être présent, de faire du mieux qu'on peut pour le patient et pour les familles. Concernant l'apprentissage sur les règles d'hygiène, il y a des passages qui sont faits avec le service hygiène qui vient nous montrer les bonnes pratiques. On a eu des vidéos auxquelles on pouvait accéder. C'était surtout le tri des déchets, le tri du linge sale et puis l'habillage, déshabillage en fonction de ce qu'on va faire aux patients. Le service Covid, il apporte pas tout le temps que du positif, hein, parce que c'est difficile psychologiquement, moralement. Mais dans tout ça, on a la gratitude aussi d'avoir aidé le patient jusqu'au bout, d'avoir pu l'accompagner jusqu'au bout. Et ça, c'est le plus important. Et notamment quand on voit des patients qu'on a vus partir, qu'on aura pu envoyer en soins continus ou en réanimation pour une grosse détresse respi, qu'on retrouve dans notre service et qu'on voit sortir sur ses pieds, le sourire aux lèvres et les applaudissements, bon, ça c'est très très gratifiant et là on est content de faire ce métier.